Brûler 10 000 calories en 24 heures, est-ce que c'est possible? En tout cas, ça a l'air beaucoup plus difficile que de manger 10 000 calories. Dans cette vidéo, on se met tous les deux au défi de brûler le plus de calories possible. Une barre comptant les calories brûlées nous suivra au cours de toute la journée. Si par exemple je cours pendant une heure, 300 calories seront ajoutées à mon compteur, le but final étant 10 000. Et pour pimenter un petit peu les choses, Misha et moi allons être en compétition. On sera tous les deux équipés d'une montre connectée pour bien compter les calories brûlées et on a chacun créé un programme secret pour la journée. Parfois, nos programmes se rejoindront, mais la plupart du temps, non. À votre avis, qui brûlera le plus de calories à la fin de la vidéo? Faites vos paris et let's go! Hop 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 stop! Avant d'aller plus loin, laissez-nous vous présenter le partenaire de la vidéo. HelloFresh a voulu nous donner de la force pour notre défi. Sympa, non? Ce qu'on adore avec eux, c'est qu'on fait des repas sans aucun stress et surtout très rapidement, car tous les ingrédients sont faits et déjà préparés pour nous. Il ne reste plus qu'à suivre les fiches recettes qui sont honnêtement hyper simples. Ça permet de changer des plats de d'habitude et de vous lancer facilement dans la cuisine. Et d'ailleurs, on a appris avec beaucoup de surprises qu'Alex est en fait un très grand cuistot. Et d'ailleurs, pour le repas du midi, vous verrez qu'on s'est préparé des penne au poulet et à la crème de gouda avec poireaux et épices italiennes pour prendre beaucoup de protéines et surtout de l'énergie pour tenir la journée. Et puis, HelloFresh, c'est hyper économique, moins de 3€ par repas grâce à notre code SPECTATIOUS-MARS. Cliquez sur le lien en description pour profiter de la promo qui n'est valable qu'en France ou au Benelux pour les nouveaux clients ou les clients ayant annulé leur abonnement depuis minimum un an. Profitez bien! Allez, on reprend la vidéo! Salut les Ernest! Hello! Ok, donc nous commençons ce défi ensemble. Oui. Mais après, on va se séparer, ok? Ça sera plus marrant. En faisant un petit jogging, on verra combien de kilomètres on va faire. On va brûler le plus de calories possible. Je sens que cette journée va être extrêmement intense. Alors, je tiens juste à dire que tout le monde a son Apple Watch. Sauf toi. À part moi. On va faire un transfert, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On y va? 3, 2, 1. Hey, moi, je sprint! Ça brûle plus de calories. Je me laisse encore mettre en arrière. Aujourd'hui, c'est une compétition. Vas-y. Le saviez-vous, quand on dort, on brûle des calories, environ 50 par heure. Ça dépend du poids de la personne. Pour faciliter le truc, on va dire 50 calories par heure. Et comme on a dormi 6 heures, donc on a déjà brûlé 300 calories. Voilà, à notre compteur, ça s'ajoute. Premier kilomètre. J'en peux plus. Alex est déjà éclaté. Moi, ça va, la forme. Ouais, bien sûr. Je suis prête pour cette compète, je vais te battre. Oh, waouh, waouh. Vas-y, moi, je gratte un maximum de calories. Encore des calories, encore des calories, encore, là, ça c'est parfait, encore des calories. Bon, par contre effectivement, c'était bien mouillé, mon cul peut bien vous le dire. T'avais juste envie de t'asseoir sur le truc, non? Non, j'ai brûlé plus de calories que toi. Ouais. Ouais. Sauf que t'as pas un Apple Watch pour qu'il t'indique. C'est moi qui vais gagner. Troisième kilomètre, ouh, 4 kilomètres. Et la fatigue se ressent? Non, pas du tout, il n'y a que toi. Regardez sa tête. J'ai plein de morve, un gros tas de morve. 40 km, si on a couru 4, on peut courir encore un. Oui. Encore 10. Ouh. 5 km. 5 km, on les voit. Combien de calories? 339 ajoutés au compteur et moi, plus 10 parce que j'ai fait du vélo. Comment ça, t'as fait? Eh ouais, je te défonce. Oui, mais t'as pas fait les 150 mètres que j'ai fait moi. Si, je les ai fait. Non. Si, après je suis revenu vers toi, arrête de mentir. Voilà, donc j'ai 10 calories de plus. Non. 10 de plus à mon compteur. Non. Allez, ciao, ciao, ciao. Non. Tais-toi. Tu as juste t'asseoir pour te mouiller le cul et après tu es parti. Bon les Ronettes, une heure de corde à sauter s'impose pour moi. Alex, il est en train de préparer son sac pour faire du sport à la salle. Ah, il a une. Pas tricheuse là. Je voulais commencer, mais allez. C'est nul. Pouille là qui fait du bruit. Où je vais programmer mon Apple Watch dès maintenant, comme ça je prends de l'avance sur lui. Et voilà, corde à sauter. Let's go! J'ai fait 2 minutes et je suis éclatée. Je teste la corde à sauter, j'ai fait 10 minutes, j'en peux plus. Et en plus c'est une corde à sauter avec des poids sur les poignets, c'est horrible. Je vais faire pipi, j'en peux plus. Pour 10 minutes, j'ai 90 calories, ce qui veut dire que je suis 90 calories plus qu'Alex, parce que lui il est certainement pas encore dans la salle. Good job. Bon, sans transition, moi je file à la salle de sport, parce que je sais qu'à la salle de sport on brûle énormément de calories, et je pense vraiment prendre de l'avance sur Misha en faisant ça. Je connais pas vraiment son programme, là je sais qu'elle fait de la corde à sauter, mais après je sais pas du tout ce qu'elle fait. Mais j'espère vraiment prendre beaucoup d'avance grâce à la salle. Allez, c'est parti. Et je reviens après avoir évacué tous les liquides de mon corps. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée, j'ai vu qu'Alexis, il a oublié ses chaussures de sport. Tant pis pour lui,
difficile. Allez, je suis presque à 300 calories. À 300 calories, je dis ciao à cette corde sautée. 305 calories en 36 minutes. C'est mieux que courir. Il est 10h05, je suis arrivé. Et puis, j'ai oublié mes chaussures, en fait. Elles sont restées à l'entrée. Je suis un méga teubé. Comme j'ai oublié mon sac, il ne me laisse pas entrer. Oh, je suis dégue. Oh la vache, je vais prendre grave du retard sur Micha, là. Bon, j'ai quand même brûlé 28 calories. Ça va, ça va. C'est toujours ça de prix. Par contre, là, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, la salle de sport, j'abandonne. Et je vais rentrer faire des sprints. Parce que faire des sprints, c'est super pour perdre des calories. Regardez où elles étaient, mes chaussures. Sur la table. Et c'est Micha qui les avait mis là. C'est pas moi. Ils étaient là. Je suis allée faire pipi. Je les ai vues. Je les ai mis dehors. Au cas où tu reviens et tu veux vite les prendre. Du coup, j'ai même pensé à toi. J'ai pris une pause de 20 minutes pour m'asseoir, reprendre le souffle. Et je pouvais plus, en fait. Les jambes, ils refusaient. Je pouvais plus sauter, plus courir, plus rien. Et maintenant, je vais faire des burpees. Et des squats. En plus, le push-up, je peux pas le faire. Le push-up, comment dire push-up en français? Les pompes, j'arrive pas à les faire. Je fais des burpees sans pompes. Allez, c'est parti. Je vais la défoncer rien qu'en faisant des sprints. Regarde ma caméra. Décidément, je vais pas pouvoir faire sport. Il y a des colis qui arrivent et tout là. Oh là là. Oh là là, que des excuses. Il y a un beau ciel. J'ai envie de le contempler au lieu de faire des burpees. C'est 10h48, j'ai déjà fait je sais pas combien de calories, j'ai complété tous mes agneaux. Ah, je sais pas parler français. Maintenant, des squats. Allez, c'est parti. Normalement, 20 squats, je les fais sans souci. Et là, mes jambes, elles tremblent. J'arrive pas. Allez, il faut être fort, il faut battre Alex. Qui passe. Bon allez, 10h46, sprint, j'ai pris beaucoup de retard, livraison de colis, salle de sport qui ne m'accepte pas, beaucoup de problèmes. Mais maintenant, tout va basculer. Allez, c'est parti. Je crois que je vais exploser, regardez. Je suis à 164, 163 battements par minute. Si je brûle pas 10 000 calories avec ça, là... Je vais pas tenir la journée, c'est impossible. C'est qui a eu cette idée de vidéo là? Putain, c'est moi. Alors, ça perd. Là, je suis à, sans compter les 300 de ce matin là, 126. Moi, je suis à plus. Regarde, pour 22 minutes d'entraînement HIIT, donc les squats et les burpees, j'ai fait 178. Et au total, je suis à 741. T'inquiète, je vais faire un pompe challenge. Je vais le battre. Ça s'annonce compliqué. T'as un flemmard. T'inquiète, avec les pompes, je vais m'attraper. C'est parti. C'est pas possible. Donne-moi ton tapis là, c'est sale par terre. Regardez-moi ça. Je m'étire, sinon je vais avoir des courbatures. Combien ça brûle de calories une pompe? Viens, on dit 100 calories la pompe. 100, 200, 300, 100, 300. Je conseille de faire ce défi à personne. Et n'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important pour la santé. Ouais, j'ai fait rien après les squats. J'étais tellement flingué que je pouvais plus rien faire. Du coup, je me suis posée sur le tapis. J'ai mis en mode récupération ma montre. Et du coup, ça fait tout seul des calories. C'est trop bien. C'est une petite astuce pour vaincre Alexis. Maintenant, je me dirige pour faire des sprints. Bon, les pompes, pas fou. 109 calories en plus. 220 plus les 300 et quelques de ce matin. Pas ouf. Micha est à 800 environ. Je suis mal, mais j'ai trouvé ça, regardez. Un vélo d'intérieur. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Micha ne sait pas qu'il est là. Il est 11h30. Je vais faire 30-45 minutes de vélo d'intérieur. Et c'est là que je vais prendre de l'avance sur Micha. Fini. Fini pour cette matinée. 38 minutes,
381 calories. On est pas mal. Allez, 82, c'est un petit peu plaisir. Bon, ça monte, mais on en est encore loin un petit peu. Il est midi, il est temps de faire un petit bilan et de manger surtout. Ouais, moi j'ai plus de calories que lui. Attends, on va regarder. Je suis à 553, 862. Sauf que ce matin, j'ai pas eu les 319. C'était combien, 319, c'est ça? 300. Ouais, allez. 309, c'était. Ah, ok, 309 de ce matin, je les ai pas eu. Donc, si tu les rajoutes, ça fait 862. On est exactement pareil. On est exactement pareil, c'est quoi ton problème? Bon, maintenant c'est l'heure de manger et c'est HelloFresh qui régale. Manger, j'ai trop faim. J'ai besoin d'énergie là. Cet après-midi, c'est très très chargé. On va faire un sport notamment que je n'ai jamais essayé. Michel a l'habitude, mais pas moi. Je n'ai vraiment jamais fait de ma vie. Regardez-moi tout ce petit plat. On va faire des pâtes au poulet avec de crème et de fromage. Parce qu'il nous faut de gras, des protéines et de glucides. Miam miam miam. Alors ça a l'air bon tout ça. À table. Oh là 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 là. Oui. Allez, on mange là. Vas-y, on goûte ce qu'on a fait. Et je tiens à dire, attends. Plus 200 calories chacun parce qu'on a cuisiné. Non, 250 pour moi parce que c'est moi qui a plus cuisiné. Super bon. C'est aux épices italiennes aussi. Mamma mia. Si vous êtes intéressé par HelloFresh, vous pouvez cliquer sur notre lien en bas dans la description et commander votre box à moins de 3 euros le repas. Et franchement, ça fait plaisir. Et notre code, c'est juste ici. Ouais. Tu te rappelles quand t'as dit que t'as cuisiné un petit peu plus que moi et que du coup, tu devais avoir 50 calories en plus? Oui. Eh bien, moi, je conduis. Et je pense que la conduite est une activité physique. On va me rajouter 100 calories. Parce que j'ai conduit jusqu'à la salle de sport, d'accord? Je me suis fait chier! Parce que j'ai pas pu entrer, ouais. J'ai fait l'aller-retour, ouais. Et là on va au tennis. Et voilà, on est arrivé, c'est la première fois que je vais jouer au tennis de ma life. C'est toujours un sport que j'ai voulu faire, donc j'ai hâte, de ouf. Let's go! Regardez-moi ça, ils nous ont filé énormément de balles. On va jouer devant tous les entraîneurs, ils vont rigoler. Tennis, 3, 2, 1, c'est parti! Allez! Bon, il y a les calories qu'on brûle au tennis, mais aussi les calories qu'on brûle en ramassant les balles. C'est dur le tennis, je pensais pas que c'était aussi dur. Elle est bonne. Alors, c'était comment? C'était bien, ça m'a donné des souvenirs, mais je suis nulle. Moi aussi, d'où? J'ai brûlé 639 calories en 55 minutes, et toi? 630? Un problème? Bah ouais, parce que moi j'ai fait plus courir et j'ai moins. T'es à 475? Ouais. Pour combien de temps? Bah le même. 56 pareil. Ça m'a donné envie de jouer au tennis, mais c'est très dur. C'est très difficile, vraiment, je pense pas que c'était aussi dur. Et là je jouais comme une merde. Mais non, t'as bien joué. Je lui ai mis plein de points. Oh. Énormément de points. Elle a rien vu passer. Il y avait un énorme trou dans sa raquette. Bon, viens de regarder, là je suis à plus de calories qu'elle, alors que j'ai fait un petit peu moins de trucs qu'elle. T'es juste à côté. Ah là, maintenant j'ai 5 calories de plus que toi. Ouais. C'est ce qui va me faire gagner. C'est quoi ce colis? C'est pour son anniversaire. Regardez-moi ça. Un ronflex. Juste à côté de moi. Tu es fatigué, Hani? Oui. Pendant que nous, on se casse le cul et essayer de faire 10 000 calories en une journée. Regardez mon chat. La vie est belle. Hein. Ouais. Allez, on va faire du vélo, moi. Souhaite-nous bonne chance. Quoi, faites cette vidéo? C'est con, quoi. Let's go! Ok, il est 16h20 et nous faisons actuellement du vélo. Parce que le vélo, ça fait perdre beaucoup de calories. Ça va, Annie? Non, ne me dépasse pas, je voulais toucher un truc. Qu'est-ce que tu veux me dire? Non, je voulais toucher un truc, je viens là. T'es naze. Tu vas voir, toi. J'arrive. C'est vraiment une bulgare, celle-là. Alors, en tout cas, je vous jure, je suis rempli de fatigue. Je n'en peux plus. On vient de faire une heure de vélo et on a dépensé que 210 calories. C'est nul! 195! Ça pue le vélo, mais arrêtez tous le vélo! Ok, maintenant je vais faire du vélo intérieur. Non, mais c'est quoi cette voleuse d'idées? Mais je rêve! C'est moi qui l'ai trouvé! Tu savais même pas qu'il était là? Bah, bien sûr que je sais qu'il est là. Il est là depuis 3 ans et personne ne l'utilise. Bien sûr, allez, non, mais tu mens! Je vais faire du vélo intérieur pour comparer avec le vélo extérieur. 17h43, corde à sauter, lesté, je tiens à le préciser. Et je suis choqué de voir que sur l'Apple Watch, il y a corde à sauter comme sport. 3, 2, 1 et c'est parti. À la corde à sauter, je sais faire trois choses. La première, très rapide. Deuxième chose, double saut. On va
c'est le trip pour le kiff. Et la troisième chose, un petit croisé. Tu es fort. Hein. Je suis à 25 minutes. C'est très très compliqué. Là, je suis vraiment au paroxysme de ma fatigue. Pourtant, je suis à presque 2000 calories brûlées seulement. Et je n'en peux plus. Mais je crois que j'ai mangé moins de calories aujourd'hui que j'en ai dépensé. Et j'ai brûlé 275 calories. Pas mal. J'ai fait 200 calories. En même temps. En 30 minutes. Rentable le vélo d'intérieur. T'as fait autant de calories en une heure de vélo normal. Maintenant, un peu d'entraînement. Je vais faire une vidéo de pas mal à Rife. Ok les amis, maintenant on va faire des tractions. Enfin, le plus possible en 30 minutes. Ça brûle beaucoup de calories. J'ai fait 130, c'est nul. J'ai fait 25 minutes de HIIT et j'ai dépensé 170 calories. Je pense que si j'étais pas fatiguée, j'aurais fait 300 calories. Mais là, ouais, genre, fais des excuses. Et là, vraiment, je fais pas les exercices comme il faut. Dernier entraînement parce que j'en peux plus. Du coup, je vais faire une séance du yoga. 19h, tout dernier exercice pour ma part. On retourne sur le classique vélo d'intérieur parce que clairement, de tous, c'est le plus rentable. Voilà, en termes d'énergie dépensée, énergie brûlée. C'est pas très logique, mais c'est ce qui fait perdre le plus de calories. Ça sera mon final et j'espère vraiment en faire un maximum pour défoncer Misha en termes de calories brûlées. Hein, pas de... Regardez, elle adore. Elle fait genre, elle fait du yoga. Ouais, moi je brûle le plus de calories. Ouais. Regardez-moi, on dirait un phoque. Qu'est-ce que c'est que ça? Activé sur la règle. Je suis débile. Voilà, c'est bon. On reprend. Et voilà, 236 calories. Cette vidéo est insupportable. Et on finit sur un beau ciel comme ça. Voilà, j'ai fait mon entraînement de yoga. Je suis contente. Ça m'a relâché un peu les muscles. Donc là, je suis au total à 1820 de calories que de sport. Et j'ai fait sport presque 4 heures aujourd'hui. Donc ça va, 4 heures, c'est beaucoup quand même. Mesdames et messieurs, le moment tant attendu. Combien avons-nous brûlé de calories après cette horrible journée? Et c'est... Fais le roulement de tambour. Comment tu fais le roulement de tambour? Est-ce que tu imites bien le roulement de tambour? Pas du tout, d'accord. Le vainqueur est... Toi. Oui ! Avec 1887 calories brûlées plus 339 du footing, j'arrive donc à 2226 calories plus les bonus. Ça s'affichera là, ici. Et voici mon résultat. Et voilà, on s'est un peu surestimé parce que 10 000 calories, c'est impossible. Non, c'est impossible. 10 000, faut être surhumain pour le faire. Ouais, c'est dangereux. Ne le faites pas, ce défi. Ouais. Et même brûler 2 000 calories, je suis épuisé comme pas possible. Mais il y a un énorme facteur à prendre en compte. C'est celui qui passe tous les matins à livrer le volissimo. Okay. T'as compris la blague? Ouais. Sympa, hein? MDR. Non, le facteur à prendre en compte, c'est le poids, la masse plutôt. Si vous êtes plus corpulent, vous allez brûler plus de calories qu'une autre personne qui, voilà, qui est moins lourde que vous. Et en vrai, j'étais dégoûtée de tennis, par exemple, où j'ai couru le plus. Ça, ah, c'est moi qui servais à chaque fois. Ouais, c'est énergivore, hein? Et c'est moi. Et c'est moi qui courais après les balles à chaque fois. J'ai eu moins de calories que toi. Allez. Je pensais au moins avoir 3000 calories et je suis un peu dégoûtée. Moi, je pensais franchement faire les 5000. Ah bon? Ouais. Pas du tout en fait. Non, c'est surestimé de ouf. Puis bon, c'est pas fini non plus nos activités là ce soir. Tabasse, hein! Tabasse juste derrière! En vrai, c'était un plaisir de tourner la vidéo. Je ne le referai plus jamais, par contre. Maintenant, on va fêter 900 000 abonnés sur YouTube. Mmh. Yay! Merci à vous tous, c'est énorme. Bientôt le au million. Moment, au moment de tournage de cette vidéo, on est 900 000. On est à 901 000 pour être précis. Ouais, 901 000. Et ce soir, on va fêter, on va célébrer ça. Mmh. On va vous célébrer, vous, derrière l'écran. Love. Love. Ciao. Gros bisous, ciao!